Salutations mes amis, ici JL de Age of Noobs et j'ai l'honneur de vous annoncer. Putain, qu'est-ce qu'il y a, Black? Bon, bref, oui, Black vient de rentrer dans ma chambre alors que je venais de commencer le discours solennel du playthrough. Qu'est-ce que tu fous? D'accord. Bref, excusez-moi pour ce petit lapsus, les amis. Tout simplement. Sword of Damocles Warlord. Donc je me suis déchiré l'anus à mettre à jour ma version de Mountain Blade, à trouver les fichiers de traduction. Et ça va donner du lourd parce que j'ai pris une version qui est bien plus avancée que celle sur laquelle j'ai fait les tests. Est-ce que Black, tu peux te casser s'il te plaît? Et sur ce, nous allons commencer tout de suite le début d'une aventure. D'une aventure où il va y avoir des milliers et des milliers de morts. Tout est en français, les amis. C'est une version bien plus avancée. Ça va chier. J'ai regardé un petit peu le patch note de Sword of Damoclès. Il rajoutait énormément de factions, énormément de choses. Il y a un millier d'unités. C'est l'install de mode la plus longue que j'ai jamais eue. C'est presque aussi long qu'une install de petits jeux. C'est un truc de malade. Je pense qu'on va s'éclater. Alors les amis, l'objectif, ça va être, dans un premier temps, faire des petites batailles, des petites escarmouches sans intérêt pour repérer un peu le niveau. Et puis dès que j'ai assez de sous, j'achète de la full armure. Et là, à partir de ce moment-là, ce sera, je passe du rang de pilleur au rang de lord. Et j'ai bien l'intention de prendre d'assaut une ville forteresse et d'en faire le début du règne de l'empereur Jael. Voilà. Vous avez mes projets. Voilà, vous trouverez que pour le moment j'ai pas grand chose sur mon CV, mis à part que je vais commencer avec une toute petite armée. Mais je vous promets du lourd, je vous promets du lourd. Et je vais essayer d'animer à fond ce playthrough parce que le lancement de la partie est un peu long là. Bienvenue dans ce World of Damocles, blablabla. Avant de commencer à jouer, il faut que vous sachiez que ce n'est pas encore tout à fait Sword of Damocles. Damocles. LOL, Damocles. Warlords. Ce module est fait pour équilibrer le projet final qui n'est pas encore complet. L'équipe de Sword of Damocles vous propose ce module qui colle à l'esprit du projet final déjà très avancé. Des mises à jour majeures sortiront encore, alors soyez attentifs. Maintenant, vous pouvez jouer à Sword of Damocles, test combattant. Alors, encore une chose, la plupart des mods, les dernières mises à jour datent de 2010. Celle-là date de fin janvier 2012. C'est pour vous dire à quel point ils ont bossé dessus, quoi. Le sexe homme, ça change pas. Vous avez lu le jour, il y a bien des années, dans un pays lointain, votre père était un noble, un marchand, un guerrier vétéran, un noble désargenté. Vous êtes le fils d'une famille de nobles sur le déclin, ne possédant plus qu'une maison dans laquelle il vivait. Malgré cela, en dépit des épreuves qu'elle endurait, votre famille vous a offert une éducation de qualité, a affronté la rigidité aristocratique et la vie à la cour. Votre famille a vécu dans... Alors... D'accord, en fait, je peux pas choisir... On va reprendre le vieil empire d'Antares. Là, 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 vous avez reçu la meilleure éducation avec une formation dès l'enfance sur les règles de l'aristocratie et de la vie de la cour. Votre famille avait une forte croyance dans l'unique, les anciens dieux, le néant, l'émulation spirituelle. What the fuck? Alors je sais que ce que je vais choisir ici maintenant aura de l'importance, mais malheureusement... je ne sais, j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je prenne. Donc l'unique, il fait trop faible. Les anciens dieux, ça claque le néant. Le néant, j'ai choisi complètement la Wakba. Ça se trouve, ça va me faire des unités de merde, on s'en fout. Votre famille détenait des livres anciens et pratiquait quotidiennement de nombreux rituels. Ah, ça me plaît, ça. C'est dans ce monde que vous avez grandi. Des talents très utiles, et comme vos aînés et ancêtres, vous avez vous aussi trouvé un chemin vers le néant. Vous avez commencé à découvrir le monde dès que vous avez su marcher et parler. Durant vos jeunes années, vous étiez... J'étais page. Adolescent, on vous envoya vivre à la cour d'un noble de la région. Là-bas, vos premières leçons de vie vous enseignèrent l'humilité, en servant les seigneurs et les dames du logis. Mais par le biais de leurs parties d'échecs, leurs commérages, et même le récit de leurs exploits et de leurs amours courtois, vous avez rapidement commencé à comprendre le monde des adultes, fait de conflits et de compétitions. Vous avez également découvert la brutalité des jeux auxquels s'adonnaient les autres enfants,
consistant à se battre mutuellement avec des bâtons à l'image des épées de leur aîné. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Puis encore jeune adulte, votre vie a pris un autre chemin pour devenir... braconnier. Mais vous avez décidé de partir à l'aventure. Ce qui vous a incité à prendre cette décision fut la soif d'argent et de pouvoir, of course. À l'aventure. On vous a octroyé le droit de porter une bannière. Alors, là, très important, les amis. Faut pas déconner. Un truc qui me ressemble bien. Un truc noir. Déjà, bannière noire, y a pas à chier. Je crois que j'ai fait le tour. On va prendre ça. Réaliste? Non, pas réaliste. Validé. D'ailleurs, il y aura un autre... à la fin de ce premier épisode sur Mountain Blade, Sword of Demacia. Non, pas Demacia, lol. Damoclès. Tac, 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 tac. Donc là, pour le moment, on reste compétent. Commandant 3. Puissance de frappe, puissance de G. Alors, important. Athlétisme, je suis à 1. Non, athlétisme, c'est quoi? Améliore la vitesse de course. On s'en fout. Donc, on va le faire sérieux cette fois. Un en marchandage. Gestion des prisonniers. On s'en fout. Persuasion, c'est toujours important. Ingénierie. Un. Premier soin. Chirurgie. Alors, chirurgie, c'est putain d'important, mais je préfère que mes soldats soient blessés que tués. Voilà. Alors, guérison. La vitesse de guérison du groupe augmente 20%. Ouais. Ouais. Gestion d'inventaire, c'est super important aussi. Déplacement, c'est important. C'est super. Archerie montée. Alors. Ouais. Ok. Puissance de G. La puissance de frappe, c'est fait. Vigueur. Ouais. Puissance de tension, c'est important. Allez. Ok, donc arme à une main 63, arc 72, on est d'accord, j'ai 15 points de compétence. Ça, on s'en fout pour le moment. On va miser sur... Ouais, non, mais l'arme à deux mains, en fait, c'est l'arme à deux mains qui va être super important. Tac, tac. Alors, là, ça commence à pas déconner, au hasard. LOL! Non, non, là, cette fois, alors, peau. Est-ce que j'ai quelque chose sur la gueule? On peut faire du chinois, c'est trop bien. Barbe. Non, attends, un autre. On va faire au pif d'abord. J'aime ce style. On va changer la peau. Non, non, j'aime pas ce style en fait. Voilà. Ah, c'est pas mal ça déjà. Prendre la moustache. Point trop d'infos, on va dire. Là, le dicton se rappelle. Oui. Oh oui. Non, je déconne. Pas pousser plus dans les orties. Allez, ça c'est pas mal. Cheveux. Ah, j'aimais bien les cheveux là, jusque là, tac, ah, ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. L'âge. LOL. Non, c'est bon. Couleur des cheveux. Ouais, j'ai vachement de couleurs là. Hein. Ah, c'est par rapport à la peau, je pense. Non. LOL. J'aime ce style. On n'est pas pressé après tout, c'est un perso que je vais garder longtemps.
Oui, ça fait très anglais. Ça fait très lord. Non, ça fait très lord, y a pas à dire. Les cheveux peut-être un peu moins jaunes. On va retrouver notre lord en fait. Ouais, celui-là il est bien. Ouais, c'était celui-là. Lord Jeal, ça me va. Ah bah ça y est. C'est parti les amis, c'est le grand jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que camper, rapport, note? Je n'ai pas de note. Concept de jeu, le moral, relation de séduction, campagne militaire. Ok, on s'en fout pour le moment. Personnage. Je suis plutôt bien barricadé. Ouais, ok. Donc là, je suis dans le royaume de le duché de Villanaise. Ok. Est-ce qu'il y a la Légion là comme avant? Ah, la Légion. C'est cela? Groupe Légion impériale. C'est le sultanat. Moi, je suis tout en bas. Ok. Admettons. Chou! Où je suis? On va recruter du péon à Pérune. Voilà. Pérune a une population de 440 contribuables. 3 recrues. Voilà. J'ai combien de thunes là, hein? Parce que je sais pas tout ça. J'ai combien de thunes? Inventaire. 2582. On va aller. Oh putain, ça va me saouler. On va aller à Kekeli. Puis je crois que je peux choper des quêtes quand je vais voir l'idiot ou le chef du village. Enfin, c'est un peu la même chose. Tac. Commercer, rencontrer l'ancien du village. Bonjour monsieur, bienvenue à Calais. Je suis l'ancien du village. Ouais, t'es un peu con en effet. Avez-vous besoin de mon aide? Merci bien, mais pour l'heure, nous n'avons pas besoin d'aide. Va te faire enculer. Avez-vous récemment des ennemis dans la région? Ok. Partir. Ok, en fait, cet homme est absolument inintéressant. On va aller à Foxbog. Déjà, analysons mon groupe. Noble ontarien. D'accord. Élite. Élite d'infanterie. Putain, ça, c'est de la traduction. Ça veut dire infanterie d'élite, mais c'est pas grave. Vétéran d'infanterie. Régulier d'infanterie. J'adore la traduction française. Bon, on va pas se plaindre, hein. C'est fait par des bénévoles, hein, donc on va juste chez The Fuck Up. Mais c'est vrai que c'est quand même lol, hein. C'est de la traduction Google. Partons à Foxbug. Y a un tournoi. Rencontrer le maître de guilde. Lui, il a peut-être quelque chose à me dire. Pouvez-vous me dire ce que vous faites? Je suis le maître de guilde. On peut dire que je représente le bon peuple de Foxbug. Et si vous cherchez un travail honnête, je peux vous aider. Auriez-vous un travail? Vous cherchez. En fait, je pourrais quelqu'un pour. Je cherche quelqu'un pour escorter une caravane marchande, disais-je. Dois se rendre à Alsemont, cependant, avec tous ces bandits déserteurs. Si vous pouviez conduire cette caravane dans les 15 jours, vous recevrez 648 deniers. D'accord. Voilà. Comment se porte le commerce? Blabla. Lol, ils ont rajouté plein de trucs.
Ok, pour on s'en branle le cacahuète. Donc ça, je suis allé voir le maître de guilde. Ah, mais je vais rejoindre le tournoi, moi je suis un grand malade. Quoique, j'ai pas regardé mon stuff. On va aller sur la place du marché. On va aller voir le marchand d'armes. Qu'est-ce que j'ai comme stuff de merde? Une arme à une main, bien entendu. Alors, j'ai 2540 deniers. Est-ce que à demain? 27, 31. D'accord, mon arme à une main fait plus de dégâts que l'arme à deux mains qu'on propose. 47. Requiert force 10. Fu, 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 fu. Bon, en clair, je peux pas prendre autre chose pour le moment. 15 de dégâts. 23. Est-ce que je peux pas trouver une arme un peu plus? 16. Ok, je peux rien faire avec ce que j'ai. L'armurerie, on s'en fout. Rejoins le tournoi! Ah, bien sûr, vous êtes au tour 1 du tournoi. Il y a 3 équipes avec 5 combattants dans chacune. Je parie sur moi-même. Oh putain. Ouh, 250 deniers, ça fait remporter 3250. Oui. Combattre. Oh putain, je suis un archer. Oh putain. Ouf, ouf. Je me cache. Ok. Je suis pas très bon. Je suis vraiment nul. Oh, j'ai été touché. C'est quoi ces tournois de merde là? Je vais courir, tiens. Hop, continuez à me tirer dessus pendant que mes hommes vous tirent dessus. Oula, il est pas passé loin lui. Ouh! Bien joué les mecs! J'ai servi à rien. Il y a 3 équipes avec 2 combattants dans chacune. Combattre. Putain, encore des trucs d'archer. Oh merde. Oh merde. Vas-y, battez-vous entre vous. Je ne suis pas là. Je ne vois pas qui c'est qui me tire dessus. Ok, ils me tirent tous dessus, c'est fini. Je prends trop de dégâts. Putain, ils sont deux là. Là, il va falloir faire le ninja là. Déplacement en ninja. Je m'approche. Je vais en empêcher un de tirer. Je vais me mettre dans la prolongation. Allez. Allez! Putain. Ça fumier. Non. Ouf. Oh oui. Oh oui. Oh PGM Dual. Ça, c'est les grands champions. Oui, monsieur. Alors. Chaud. C'est quoi? Je suis un grand malade. Je rajoute 100 deniers sur moi-même. Combattre. Oh putain, mais c'est encore avec des flèches de merde là. Vas-y, continuez à me tirer dessus. Moi je suis un cac. Corps à corps. Bien joué. Bien joué. Continuez à me tirer dessus, crétin. Oh! Prochain ninja. Tu m'auras pas comme ça. Attention, je sors mon couteau de fumier. Ouf. Et voilà. PGM, PGM. Il y a 4 équipes avec un combattant dans chacune. Ça sent le fumier. Ils vont tous me foutre. Allez, oh putain, je viens de prendre un méchant coup. Putain, il fait peur. Voilà. Putain, mais il est loin celui-là. Voilà. Tiens, prends ça, fumier. Allez, winner!
J'ai pas claqué une seule flèche. Putain, mais vous êtes au tour 5, il y a deux équipes avec deux combattants dans chacune. Bah combattre? Question conne. Allez. Oh putain. Putain, ils sont pas cons les mecs. Je suis le meilleur à la boxe, mon pote. Et voilà. Allez, pour le coup. Oh non, mais sérieux, combien il y a de tournois? Oh, ça va. C'est la dernière. Et où? Où es-tu, fumier? Ah, tu crois que je t'avais pas vu? Là, continue à tirer comme un abruti. Voilà, ça t'apprendra à la politesse, hein. PG, vous recevez un prix de 3000. Ouh, ça fait du fric, ça. Les gens vous tolèrent. Partir. Donc, la caravane. Où est cette putain de caravane? Ah, j'ai bien fait! Ah, d'accord, il faut que la caravane. Ouais, alors, il faut que je fasse quoi déjà? Rapport. Morale du groupe 100, taille limite 71, total des dieux 0. On s'en fout. Note, rapport. Rapport, ça... non, c'est pas note. Ah, putain. On s'en fout. S'en fout, barre-toi, je veux me casser. C'est une note. Ok, donner. Escorter jusqu'à Alcemon. Alors, Alcemon, c'est cool, mais c'est où? Alcemon. Where are you? Ok, note. Alcemon. Et le sultanat de Zerikani. Zerikani, sultanat. Sultanat. Putain, mais c'est à l'autre bout du monde ou quoi? Oh, il serait pas un peu foutu de ma gueule, le mec? Oh. Bon. Je me suis fait rouler. Où suis-je? Putain, mais sérieusement, Alcemon. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi cette merde, hein? Duché de Villanaise. Alors, sultanat de Zerikani, déjà c'est quoi cette merde? Sultanat de Zerikani. Là, y a rien qui... Ah putain, mais c'est là, quoi. D'accord. Je suis où? D'accord, ça en fait du chemin. Foutrait pas un peu de ma gueule. La 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 la. Alors, je crois que pour aller plus vite, on m'avait dit de donner un truc pour aller plus vite. Bon, bah, ça tombe bien, j'allais pouvoir me servir un verre de menthe en attendant. Et j'ai gagné un niveau d'ailleurs. Un petit niveau. Force 10, au moins je vais pouvoir avoir des armes. Confirmé. Puissance 2, tension. Groupe. Confirmé. Inventaire. Voilà. Je peux m'en équiper au moins. Fait, c'est bien plus simple de piller des gens, je trouve. Là, c'est chiant.
Allez, vous savez quoi? J'ai pas que ça à foutre. La caravane. 10 hommes. Bien que je m'entraîne à un moment. On est bientôt là. Alcemon, moi je suis par là. On va recruter des gens. On va rencontrer l'ancien du village. Servent à rien. Ce caravane, elle me saoule. Allez. Merde, je peux pas le buter. Quel dommage. On va recruter des Khargites un peu aussi. Hop. Passer par Claire, mais je sais pas quoi là. Se rendre à la salle d'honneur. Tiens, y a qui? C'est quoi? Comment ça se passe? C'est pas mal foutu. Cavalier Khargite. Je suis Jael, à votre service. J'aimerais. Que puis-je pour vous? Je suis la femme légitime de l'honorable Noyan Kamrouk, la mère de l'honorable. Hein? D'accord. D'accord, et lui, c'est qui? Deux. Voilà. Ah, Burinodan. Voilà. Bon, on se casse. Donc Burindan, je sais pas où c'est encore. Bon, on va aller à Alcemon d'abord. On va terminer avec cette putain de quête. Ce qui est bien, c'est que ça va nous rapprocher de la Légion. Et là, on va commencer les activités de pillage. Où suis-je? Ah bon, cette caravane, elle va me suivre. 7,7, 9,1. C'est bon, elle se débrouille pas mal. Ta-la-pa-pa-la-pa-pa-pa. On va aller à Jidora, tiens. Tu. Petite nuit tranquille. Recruter des volontaires. Et voilà. Encore trois paysans ramassés. Putain, ceux qui devraient me payer pour me suivre et pas l'inverse. Reste combien de deniers là? Ta gueule, inventaire. 9200, ça va, je suis pas pauvre. On va aller à Burindan. Burinudan. Il est où le. Alcemon est là. Ok. Je peux pas recruter plus de monde. On va aller voir le canot de Khargite. Sur la plage du marché, l'armurier. Je pense qu'il a pas mieux que ce que j'ai. 48, 49. Mais j'ai pas les sous. Ouais, j'ai pas les sous. 50. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'ai les sous. C'est toujours un peu mieux que ce que j'ai. Marchand d'armes.
Ouais, pour moi, on verra ça plus tard. On a de la bouffe encore? Je crois que oui. Allez, on va aller à. C'est où déjà cette merde? Alcemon. Puis après, je vois bien un petit pillage de village. Tain, 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 tain. Alors en fait, il va falloir que je pille les rouges. Là, il y a un bastion de la Légion. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Là, Alcemon. On est bientôt arrivé. Je vais pouvoir me débarrasser de ce fumier. Il a intérêt à me rapporter du fric. Sinon, je pille une caravane. Six cent quarante-six deniers. Ah bon, ça fait monter les levels, c'est déjà ça. Alors, donc, tac, tac, tac. Vigueur 1, puissance de G, on s'en fout. Maître d'armes, on s'en fout pour le moment. Bouclier, s'en fout. On s'en fout. Équitation, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On s'en fout. Mentor. Ouais, on s'en fout. Pistage, on s'en fout. Tactique, je peux pas. Déplacement. Déplacement, c'est intéressant. Donc, arme à deux mains. 86. Il me reste une arme. 72 sur les arcs. Bon, à partir de maintenant. Ah, attends, j'avais un autre. Pour chasser. Ah, ça sent le combat. Noyan vous a demandé de traquer un fugitif du nom de. On raconte qu'il sera à Burindan. Ouais, Burindan. Donc, c'est Kanat Kharjit. C'est par là. Alors, là, par contre, c'est la merde. B, 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 B. Putain, mais il peut pas être, pouvait pas être tout près cet enfoiré. Nuvor, Emis, blabla. Ah, Burindan. Moi, je suis où, moi? Je suis pas loin, mais on va lui faire sa fête. Ça va être le premier combat légal en plus. Ouais, pour le moment, vous voyez, je fais profil bas. Profil, mais alors ultra bas. Il n'y aura pas de baston de folie. Attention à ne pas manquer de nourriture. Oh shit. C'est bien, Burindan, c'est où? C'est juste là. Ah, des bandits des steppes. Ok, ils ont fui. Aucune chance de les rattraper. Bon, trop vite. Nuit tardive. Bon, il fait jour là. Pas que ça va foutre. On va à Eunos d'abord. On va acheter de la bouffe. Assiste. Blablabla. Du pain. Et un porc. Là. Oh, les fermiers qui me passent devant, mais si seulement rencontrer l'ancien village. Ok. Allez au village. On va buter ce fumier. Où es-tu, fumier?
Je vais te buter. Lui, il m'a l'air bizarre. Ah non, lui, c'est l'ancien du village, putain. Bon, on va y aller à pied. Putain, je vous jure. Quoi, vous savez, monsieur... Connasse. Il est où ce fumier? Là-bas, là. Il y en a un qui bouge pas. Lui, je le sens bien. Plus, il a une sorte de perruque sur la gueule. Lui, je vais le fumer. Putain, mais c'est pas lui. Se foutrait pas un peu de ma gueule des fois, là. Toi, là. C'est toi. Raconte. Sérieux. Ils sont pas sérieux. Attends, on va essayer de parler autrement. Toi, là. Tu peux même pas les taper. Bon, il est où mon putain de cheval là? Ça commence à me saouler de me balader tout seul alors que j'ai une armure de malade mental. Bon, on va trouver ce fumier. Donc, où es-tu, connard? Bien caché lui. Tous les coups, c'est soigné. Allez. Ah, c'est toi, fumier. Chien, tu m'appelles chien. Il croit faire quoi? C'était plutôt drôle. Attends, il faut que je récupère sa tête, non? Tête, je peux pas la récupérer. Ok, tab. Partir. Moins 2. Ça va, je sais pas. Note. Nyan Kramik, ouais, mais je l'ai vu où là? Putain, on est fini. Kitmo. Kitmo. Kitmo, where are you? Ah, il est là. Ouais, je vais tenter un contrôle X d'ailleurs, il faudra qu'on fasse la gestion des cheats. Je vous mettrai les différentes options possibles dans les commentaires de cette vidéo. Vous verrez le comme en fait, tout simplement comme pour le choix du mode. Vous me direz ce que vous préférez. Se rendre à la salle d'honneur, t'as intérêt à me rapporter du fric, fumier. Je me suis occupé de ton problème. Hop là. Voilà. Il faut que je mette une grande de vigne de Sultana, il doit se trouver actuellement. Allez, on se barre. J'ai envie de me battre. Partir.
Attaque de fumier sur la Légion. Là, village de la Légion, c'est parfait. On va d'abord. Ben voilà. Putain, j'aime pas quand ça rame comme ça et que je peux pas bouger. J'aurais voulu me faire les villageois. Ouais. Allez, on va buter ces fumiers. Waouh! Waouh! Je sais pas pourquoi ils ont accepté le combat. Ah merde, je peux pas utiliser ça avec d'autres chevals. D'accord. Ça pue pas mal. Putain, ils ont du mal. Elle vient par la fumée. Ok, je galère à cheval. Putain, il m'a bien niqué. Ça va se payer, ça. Voilà. Voilà. Putain, mes hommes sont plutôt balèzes, hein. Non, je veux pas me replier. C'est quoi le problème? Oui, ils vont sur quoi ils tapent? Qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, ils ont mis tellement de temps à buter l'éclaireur. Ça a pleuré. J'ai pas de mec qui monte en personnage, par exemple moi. Moi si. Ok. On va aller le voir là-bas. Groupe 71 sur 71, d'accord. Allez, on les fume. On les fume, vous avez compris? Alors, F1. Suivez-moi. Ah ouais, battez en retraite, ok. Chargé. Donc, ils sont ok, CD, malheureusement. Oh, ce fail. Pousse-toi, crétin! Putain, mais c'est pas vrai. Bon, de ce côté-là, ça va être bon. Putain, mon cheval. Terrible crétin. C'est n'importe quoi. Ah, là, lui, il va tomber, ça c'est fait. Putain, mais vous pouvez vous pousser, bande de crétins, c'est un truc de malade, ça. Bon. Où est-ce qu'on va, là? Qui est-ce qui manque? Un mort quelque part, voilà. Bon, bah c'est fait. Victoire facile, c'est bien, ça entraîne les hommes. Donc, on va les éviter. On va aller à Figaler et on va foutre le bordel.
Ça me plaît. J'ai perdu en honneur, mais j'en ai rien à foutre. Allez. Pillage. Alors. Ouais, donc tous les chefs me détestent. Ça, je peux faire avec. Par contre, outil foudre, l'infer, 20 miel, teinture, beurre, N. Reste encore 5 places. Bien. Du poulet. Ah, ça fait du bien. On va vendre tout le bordel. Si possible. Quelque part ailleurs.